Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un cas qui peut vous sauver la vie avant d'être en survie. Alors, vous connaissez tous sans doute le film 127 heures, le gars qui part faire une randonnée, il se retrouve bloqué pendant plusieurs heures, la main bloquée entre le rocher où il doit se sectionner la main pour se libérer. Bon, là, donc c'est une histoire vraie, hein, plus qu'un film. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous partez en randonnée, essayez de prévenir au maximum, enfin pas au maximum, mais dites aux gens proches avec qui vous pouvez avoir confiance, laissez un mot, vous dites où vous allez, et dites aussi surtout à quelle heure vous pouvez rentrer. Ce qui peut permettre à la personne de dire, voilà, vous ne mettez pas en erreur, on peut commencer à s'inquiéter puisque vous n'êtes toujours pas là. Et ça, c'est vachement important parce que, donc, laissez un mot, dire à quelle heure vous revenez, mais surtout là où vous allez, alors, pas forcément les points GPS, mais tout simplement à l'endroit où vous pouvez aller. Parce que vous vous retrouvez en zone de danger, personne ne vous retrouver, vous galérez. Donc ça peut être vite dramatique, quoi. Bon, pensez bien avant de... Alors c'est pas forcément avant de randonner, ça peut être pour diverses choses, hein. Vous pouvez une fois par un grand froid, voire faire une petite balade avec vos écouteurs parce que vous avez besoin de prendre l'air. À aucun moment vous allez vous dire voilà, je me corde la cheville, je peux plus rentrer, j'ai trop mal pour marcher, j'ai fait 5 bornes, j'ai tellement marché vite, voilà, il fait froid, il fait moins de 2 degrés, vous n'êtes pas bien habillé, ça peut être vite, voilà. C'est des choses plus bêtes, hein, mais c'est la prévention, je dirais, pour ce genre de cas. On parle même plus de survie, mais on parle de prévention. Et ça, c'est tout à fait tout aussi important que le reste. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.